On va traiter la notion d'investissement, on va définir le concept d'investissement. Par la suite, on va caractériser un projet d'investissement, quelles sont les caractéristiques d'un projet d'investissement. Ensuite, on va voir les critères de choix d'investissement, quels sont les critères de sélection d'un projet d'investissement. Ensuite, on va examiner quelques cas, euh, de cas pratiques pour mieux comprendre la notion du choix d'investissement. Donc, Qu'est-ce qu'un investissement Vous savez que l'investissement se traduit par l'acquisition d'équipements durables, se traduit par l'acquisition d'immobilisation. C'est une définition comptable. Mais on peut définir l'investissement comme étant aussi une dépense actuelle, une dépense immédiate et dans l'espoir de, euh, de, de, de récupérer cette dépense dans le futur, dans l'espoir que cet investissement initial va nous procurer dans le futur des avantages qui dépasseront bien sûr le coût de l'investissement initial. Donc euh, on a bien défini le concept d'investissement. Par la suite, on va caractériser quels sont les éléments caractéristiques d'un projet d'investissement. Tout d'abord, on va parler de coût de l'investissement. Le coût, euh, si vous voulez, euh, vous connaissez tous la valeur d'origine ou bien le coût réel d'acquisition. Dans ce chapitre, puisqu'il s'agit d'investissement, donc on a préféré l'appeler coût de l'investissement, i se euh, rapporte à l'investissement. Donc la durée petit n, c'est la durée de vie technique. La durée de vie technique, c'est la durée de, de vie de l'immobilisation. Ou plus simplement, la durée à, à, avec laquelle on va calculer la dotation par la suite aux amortissements. Bien sûr, petit p, c'est la durée de vie économique, c'est la durée du projet. Petit p comme p comme projet. Par la suite, la CAF, et on va euh, voir ensemble qu'est-ce qu'on entend par CAF, la capacité d'autofinancement et finalement la valeur résiduelle. Ces deux éléments, la CAF et la valeur résiduelle, constituent des revenus futurs, constituent euh, ce que va nous rapporter dans le futur là, un projet d'investissement. On va examiner ces éléments un par un. Donc, les caractéristiques d'un projet d'investissement, on va commencer par définir le coût de l'investissement, I0, vous savez tous, qu'on parle avant ce chapitre de valeur d'origine ou de coût réel d'acquisition. Dans ce chapitre, puisqu'il s'agit d'un choix d'investissement, I, coût de l'investissement. Donc, petit n, la durée de vie technique. La durée de vie technique ou la durée d'utilisation, c'est une durée de vie à, par laquelle ou avec laquelle on va calculer la dotation aux amortissements. Petit p, la durée, de vie du, euh, la durée de vie économique, la durée de vie du projet, petit p comme projet, la capacité d'autofinancement, la valeur résiduelle, ces deux éléments, la CAF et la valeur résiduelle, constituent les revenus futurs. On va examiner euh, et voir comment on peut calculer chaque caractéristique. On va commencer par déterminer le coût de l'investissement. Donc, rappelez-vous que le coût d'investissement ou valeur d'origine au coût réel d'acquisition, c'est le dernier net commercial. On doit retrancher éventuellement les remises éventuelles plus les frais d'acquisition. Je dis bien, vous faites attention hors TVA, hors taxes, puisque la TVA ne constitue pas un élément de coût. Donc, il faut toujours éliminer, il faut toujours retrancher la TV, la TVA. Donc, on va voir ensemble. Un, une application chiffrée pour mieux voir, une valeur brute, un équipement ayant une valeur brute de 150 000 dinars, une remise de 10 les frais d'installation et de mise en marche en toute taxe comprise, 6 Vous faites attention, il mentionne l'énoncé, mention des frais d'installation en toute taxe comprise y compris la TVA donc on doit éliminer on doit déterminer le montant de mise en marche hors TVA donc puisque la TVA comme je viens de vous dire que la TVA ne fait, ne fait pas partie du coût donc commençons par la détermination du dernier net commercial la valeur brute 105 fois 1 moins 10 sur 100 la remise le taux de la remise donc un net commercial de 94.500 plus les frais d'acquisition. Dans l'énoncé, les frais d'acquisition sont en TTC, en toute taxe comprise, c'est-à-dire ce montant, là-dedans, il y a des, euh, de, de la TVA. Donc, on va euh, euh, déterminer le montant hors TVA. Donc, on va diviser le montant TTC par 1,19. Et on aura le montant de la, euh, des frais d'installation hors taxe. Bien sûr, comme c'est écrit, le coût de l'investissement, c'est le dernier net commercial, plus les frais d'acquisition d'acquisition d'où le coût de l'investissement c'est 94 500 94 500 c'est le dernier net commercial plus les frais d'acquisition 5500 un coût d'investissement de, de 100 000 dinars donc on va retenu, retenir, revenir à la page précédente et on va examiner les autres caractéristiques notamment la capacité d'autofinancement. Qu'est-ce qu'on entend par capacité Vous faites attention, euh, capacité d'autofinancement d'un projet d'investissement et non pas la CAF de l'exploitation qu'on va avoir ultérieurement. La capacité d'autofinancement. La CAF, c'est un excédent de trésorerie. C'est un surplus monétaire dégagé par le projet d'investissement. Deux méthodes sont possibles pour calculer la CAF. La première méthode, CAF égale les produits encaissables moins les charges décaissables. La CAF, on peut la déterminer par la deuxième méthode. On va prendre le résultat net d'exploitation et on va ajouter les dotations aux amortissements. Vous voyez, pour déterminer la CAF, pour déterminer l'excédent de trésorerie dégagé par le projet d'investissement, on peut utiliser deux méthodes. Donc, on va décortiquer ensemble la première méthode. On va examiner la première méthode, qu'est-ce qu'on entend par produit encaissable. Qu'est-ce qu'on entend par charge décaissable? Comment peut-on calculer ces produits encaissables et ces charges décaissables? Donc, le produit ou les produits encaissables, ce sont les recettes, les recettes procurées par le nouveau produit. Donc, il s'agit par le nouveau pardon, projet, il s'agit du chiffre d'affaires. Rappelez-vous que le chiffre d'affaires, c'est la quantité vendue fois le prix de vente uni, unitaire. Prenons... Une quantité vendue à vendre de 3000 unités avec un prix de vente unitaire de 50 dinars, le chiffre d'affaires, on multiplie la quantité, la quantité vendue par le prix de vente unitaire. Donc, on va déterminer 3000 fois multiplié par 50, ça nous fait un chiffre d'affaires de 150 000 dinars. Les charges décaissables. Les charges décaissables, vous voyez bien, si vous voulez, on va. Examinez encore la notion de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, rappelez-vous que c'est un produit encaissable. Donc, pour calculer la CAF, non seulement on a besoin de produits encaissables, mais aussi de charges décaissables. Voyons comment on va calculer ces charges décaissables. Les charges décaissables, appelées aussi charges d'exploitation décaissables, de bien sûr y compris les impôts sur les bénéfices. Les charges décaissables c'est les charges d'exploitation des plus l'impôt sur les bénéfices. Et pour déterminer les charges décaissables, on va déterminer les charges d'exploitation des et on va ajouter l'impôt sur les bénéfices. Les charges d'exploitation des c'est le coût de revient duquel il faut retrancher les dotations aux amortissements. Pourquoi faut-il retrancher les dotations Parce que la dotation aux amortissements ou les dotations aux amortissements constituent une charge non décaissable. La dotation ne se traduit pas par une sortie de fonds. Donc la, les dotations, c'est une charge non décaissable. Et rappelez-vous qu'on est en train de calculer les charges décaissables. Donc, on va prendre le coût de revient. Rappelez-vous que le coût de revient, c'est une accumulation des charges. C'est une sommation de charges. Il faut retrancher la dotation puisque la dotation, c'est une charge non décaissable. On peut calculer les charges d'exploitation décaissables, autrement, en prenant le coût variable total plus le coût fixe décaissable. Pour mieux voir euh, ces, ces deux concepts, on va faire une application chiffrée. Les coûts fixes décaissables, c'est le coût fixe, les charges fixes, hors dotation aux amortissements, puisque la dotation c'est une charge fixe certes, mais c'est une charge non décaissable. Donc, prenons l'exemple chiffré. Le coût de revient une activité, un projet ayant qui va générer, qui va donner naissance à une activité qui se traduit par les chiffres suivants. Ces chiffres sont en ces valeurs sont en milliers de dinars. Un coût de revient total de 130 000 dinars. Un coût variable total de 80 000 dinars, un coût fixe total de 50 000 dinars. Faites attention, ce coût fixe total se, se compose de coûts fixes hors amortissement, décaissable donc, 30 000 dinars, et un coût fixe non décaissable. Des charges fixes non décaissables, je parle là de la dotation aux, amorti, aux amortissements. Donc, on va appliquer euh, ces deux formules pour pouvoir déterminer les charges décaissables. Donc, coût de revient moins dotation. Coût de revient 130 000 moins les dotations 120 000. Vous voyez bien que le coût de revient 130. On a retranché la dotation de 20 pour trouver finalement des charges décaissables, de, pour trouver finalement des charges d'exploitation décaissables. On peut calculer les charges euh, d'exploitation décaissable autrement en utilisant le coût variable total et le coût fixe décaissable. Donc le coût variable total, 80 000 dinars, plus les charges fixes décaissables, 30 000 dinars. Donc finalement, la première façon ou la deuxième façon nous donne le même montant de charges d'exploitation décaissable. Il nous reste encore à Calculer l'impôt sur le bénéfice. Les charges décaissables sont composées par les charges d'exploitation décaissables plus l'impôt sur les bénéfices. Donc, on va voir comment on peut calculer l'impôt sur le bénéfice. Donc, chiffre d'affaires 150 000 dinars moins le coût de revient. Le résultat net d'exploitation avant impôt, c'est le chiffre d'affaires moins le coût de revient. On trouve un résultat de 20 000 dinars. On applique un taux d'impôt sur le bénéfice de 25 25 sur 100 fois 20. Ça nous donne un impôt sur les bénéfices de 5 000 dinars. Rappelez-vous que ces valeurs sont exprimées en milliers, de, en milliers de dinars. Donc, on a calculé les charges décaissables d'exploitation décaissable. On a calculé l'impôt sur les bénéfices. On va faire la somme des deux pour pouvoir déterminer les charges décaissables. Donc les charges décaissables, c'est le, les charges d'exploitation décaissables, plus euh, l'impôt sur les, béni, les bénéfices. Donc comme vous voyez, c'est bien visualisé. Vous voyez que les charges d'exploitation décaissables sont 10, l'impôt sur les bénéfices 5, et on aura en total des charges décaissables de l'ordre de 115 000 dinars. Je récapitule, les charges décaissables, c'est les charges d'exploitation décaissables. On a deux formules, soit le coût de revient à moins de dotation, soit le coût variable total plus les coûts fixes décaissables. Une fois on a déterminé les charges d'exploitation décaissables, on ajoute l'impôt sur les bénéfices et on trouve les charges décaissables. Revenons à la à la caf donc la caf sera calculée soit avec la première méthode produit encaissable moins charge décaissable, soit en utilisant la deuxième méthode la deuxième méthode nécessite la détermination du résultat net d'exploitation puisqu'on va prendre le résultat net d'exploitation et on va ajouter les dotations aux amortissements donc voyons comment peut-on calculer ce résultat net d'exploitation. Donc, la même application chiffrée, un chiffre d'affaires de 150 000 dinars, les valeurs toujours exprimées en milliers de dinars, un coût de revient total de 130 000 dinars, un coût variable total de 80 000 dinars, un coût fixe total de 50 000 dinars, vous faites attention, 50 000 dinars, ce sont des charges fixes, dont... 30 000 dinars sont décaissables et 20 000 dinars sont non décaissables. La dotation constitue une charge non décaissable. Trois façons sont envisageables pour calculer le résultat d'exploitation avant impôt. Donc, on va prendre le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on va retrancher les charges d'exploitation déca décaissables, 110. On va retrancher moins les dotations, 20 000. Donc, on va trouver le résultat net d'exploitation. On va retrancher, donc, si vous voulez, je retourne. Donc, le résultat avant impôt, on va calculer l'impôt sur le bénéfice 25 fois 20 000, ça fait 5 000. 20 000 dinars moins 5 000, un résultat net d'exploitation de 15 000 dinars. C'est la première façon de calculer le résultat d'exploitation avant impôt. On retranche l'impôt et on euh, trouve le résultat net d'exploitation. Deuxième façon de calcul, de calcul du résultat euh, net d'exploitation. Cette fois-ci, on va prendre le chiffre d'affaires comme tout à l'heure, moins le coût variable total. Voici le coût variable total. Moins le coût fixe total. Vous faites attention. Le coût fixe total, c'est-à-dire le coût fixe, y compris la dotation aux amortissements. Donc, chiffre d'affaires, moins coût variable total moins coût fixe total. Rappelez-vous bien que le coût variable total et le coût fixe total constituent ensemble le coût de revient. Donc, chiffre d'affaires, moins comme si j'ai fait moins coût de revient. On va l'avoir tout à l'heure. Donc, 150 000, moins le coût variable total de 80 000 dinars, moins le coût fixe total, y compris amortissement, 50 000 dinars. On aura un résultat d'exploitation avant impôt de 20 000 dinars. Ce résultat avant impôt, on va appliquer un taux d'impôt sur le bénéfice selon notre activité et de l'ordre de 25 25 fois le résultat avant impôt, 5 000 dinars d'impôt sur le bénéfice et on va retrancher les impôts sur le bénéfice pour trouver le résultat. L'impôt sera retran, retranché pour trouver le résultat net d'exploitation. C'est la deuxième façon pour calculer le résultat net d'exploitation. Il existe une troisième façon, si vous voulez. Donc, euh, le chiffre d'affaires, moins le coût de revient. Bien sûr, lorsqu'on parle de coût de revient, le coût de revient, c'est une accumulation de charges. On va tenir compte, lors du calcul de coût de revient, de toutes les charges. Lorsque je dis toutes les charges, c'est-à-dire les charges décaissables et les charges non décaissables, y compris l'amortissement. Faites attention, le coût de revient, 130 000 dinars. 130 000 dinars sont composés de 80 000 dinars de coûts variables et de 50 000 dinars de coûts fixes. Donc, 150 000 dinars moins les coûts fixes, le coût, pardon, le coût de revient total, 130 000, nous allons retrouver le même résultat avant impôt duquel on va retrancher l'impôt sur le bénéfice. Donc, et finalement, 20 000 dinars moins 5 000 dinars, on aura le même résultat. Euh, euh, le même résultat net d'exploitation. Donc, voici les trois façons avec lesquelles on peut calculer le résultat net d'exploitation. Rappelez-vous que le résultat net d'exploitation, quelle que soit la façon avec laquelle on l'a calculé, ce résultat sera utilisé par la suite pour pouvoir déterminer la capacité d'autofinancement. On va revenir à la page précédente. La CAF, c'est le résultat net qu'on a déjà calculé, plus les dotations aux, amorti, aux amortissements. Donc, on a vu ensemble comment on calcule le résultat net et on va tout de suite passer à la dotation aux amortissements. Qu'est-ce qu'on entend par dotation? Vous voyez que lorsque l'entreprise euh, euh, utilise une immobilisation, cette immobilisation va subir une dépréciation va subir une perte de valeur. Cette perte de valeur est appelée amorti, amortissement. On cherche à calculer, vous et moi, ce montant de dépréciation, cette perte de valeur annuelle appelée dotation aux amortissements. Donc, la une, euh, vous voyez que c'est la dépréciation, c'est une perte de, va de valeur. Reprenons notre exemple, 100 000 dinars, c'est le coût de l'investissement, la durée de vie technique 5 ans et un taux d'amortissement de 20%. Pour donc, pour calculer la dotation aux amortissements, deux formules sont possibles, soit I0 divisé par la durée de vie technique, 100 000 divisé par petite n, soit I0 fois le taux d'amortissement, donc I0 sur petite n, 100 000. 100 000 divisé par 5, 20 000 dinars par an, c'est une dépréciation, c'est une perte de valeur annuelle. Ou encore, 100 000 dinars, le coût de l'investissement, fois le taux d'amortissement. Amorti, Donc, le taux de dépréciation, le taux d'amortissement, dans notre cas, 20, pour 20 Donc, 20 000 dinars, c'est le montant de la dotation aux amortissements. Je vous rappelle encore une fois que cette dotation aux amortissements, c'est une charge fixe, certes elle est fixe, mais elle n'est pas décaissable, c'est une charge non décaissable, charge fixe et non décaissable. Revenons donc à la, à la page précédente. Donc une fois on a calculé les produits encaissables et les charges encaissables, on peut déterminer facilement, aisément, la CAF. 150 000 moins 115. Ou encore, deuxième méthode, la CAF, c'est le résultat net d'exploitation plus la dotation aux amortissements. Donc, on va voir ça. Je vous rappelle que le chiffre d'affaires, 150 000. Donc, c'est un produit encaissable. On l'a déjà calculé tout à l'heure. Les charges décaissables, 115 000. Rappelez-vous que les charges décaissables sont calculées en faisant la somme. Des charges d'exploitation décaissables plus l'impôt sur le bénéfice, donc 115. 150 000, c'est les produits encaissables, moins 115, les charges décaissables. Finalement, on trouve une capacité d'autofinancement, si vous voulez, ou cash flow de 35 000 dinars. La deuxième méthode, résultat net d'exploitation. Tout à l'heure, on a calculé le résultat net de trois façons. Le résultat net d'exploitation, 15 000. 15 000 dinars. La dotation, la dotation aux amortissements, 20 000 dinars. Donc, résultat net plus dotation, et on trouve la même CAF, soit en utilisant la première méthode, soit en utilisant la deuxième méthode. Revenons à la page précédente. On a défini le coût de l'investissement et on a calculé le coût de l'investissement I0. On a défini la CAF et on a calculé la CAF. CAF, rappelez-vous, c'est un excédent, c'est un excédent de trésorerie dégagé par le projet d'investissement. La CAF, c'est un revenu futur. Un autre revenu futur généré par le projet d'investissement, c'est la valeur résiduelle. Qu'est-ce qu'on entend par valeur résiduelle La valeur résiduelle, il s'agit de la valeur de revente, le prix de cession de l'investissement à la fin du projet. Après la durée du projet, que va-t-on faire de cet équipement utilisé On ne va pas euh, le, le jeter dans euh, la nature, on va, certainement on va le vendre. Donc, le prix avec lequel on va vendre cet équipement à la fin du projet s'appelle valeur résidue, résiduelle. Donc, la question qui, qui se pose, quels sont à euh, ce niveau-là, une fois on a déterminé les critères. Les, les caractéristiques de l'investissement, la question qui se pose, quels sont les critères de choix Sur quelle base on va choisir tel ou tel investi investissement En fait, deux critères sont possibles. Choix, on cherche la rentabilité. La rentabilité, on doit comparer les revenus procurés par le projet d'investissement par rapport au coût de l'investissement initial. Donc, en comparant les revenus futurs par rapport au coût de l'investissement. Mais face à un investissement, il y a des gens qui sont averses au risque, des gens qui euh, cherchent non pas seulement la rentabilité, mais ils cherchent aussi la sécurité. Donc, pour la sécurité, la question qui se pose, au bout de combien de temps va-t-on récupérer le capital initialement investi Donc, un projet qui offre une sécurité, un projet sécurisant pour l'investisseur est celui qui exige que le capital investi sera récupéré le plus tôt possible. Donc, ces deux critères, la rentabilité et la sécurité, vont être utilisés pour le choix euh, sur lesquels on va se baser pour faire un choix. Donc, la rentabilité, quand peut-on dire, quand est-ce qu'un projet est dit rentable Un projet est dit rentable. Un projet est dit rentable Lorsque, ou si les revenus futurs actualisés, hein, actualisés on va voir euh, tout à l'heure qu'est-ce qu'on entend par actualiser. Les revenus futurs, on les connaît. Les revenus futurs procurés par le projet, c'est la CAF et la valeur résiduelle, la capacité d'autofinancement générée par le projet et la valeur résiduelle. Ce sont deux revenus futurs. Donc, il vous dit que les revenus futurs actualisés doivent être doivent dépasser le coût de l'investissement initial. Un projet rentable, c'est le projet qui va nous permettre de récupérer ce qu'on a dépensé initial, initialement. Sur le plan rentabilité, on va voir sur le plan Tawa Sécurité. Sur le plan sécurité, celui qui envisage d'investir cherche certainement la question la plus simple qui se pose au bout de combien d'années, au bout de combien de temps, va-t-on récupérer ce qu'on a investi initialement? au bout de combien de temps? l'accumulation, l'accumulation des caf va nous permettre de récupérer ce qu'on a, qu a dépensé initialement. la sécurité d'un projet d'investissement est appréciée par la rapidité, par la rapidité de quoi? par la rapidité de récupération de ce qu'on a investi initial, initialement. Donc euh, deux critères de, de choix. Pour mieux voir ces deux concepts, on va passer aux applications. Première application, c'est un investissement de remplacement. Ben, euh, qu qu'est-ce qu que vous entendez? qu'est-ce que vous entendez par investissement de remplace, de remplacement? On va voir tout ça. Pour maintenir son volume de production, et faire face à l'obsolescence de ces équipements, l'entreprise Bahja décide d'investir dans un nouveau équipement ayant les caractéristiques suivantes. Les caractéristiques qu'on a euh, évoquées tout à l'heure. Un investissement coûtant 450 000 dinars. Des quantités à vendre et à produire dans le futur euh, estimées à 5 000 unités annuellement. Un prix de vente de 62 dinars. Ces deux grandeurs vont nous servir pour calculer le chiffre d'affaires. Les charges d'exploitation décaissables, rappelez-vous, les charges décaissables, c'est-à-dire les charges qui, se, qui vont se traduire par une sortie d'argent, par des décaissements, 40 du chiffre d'affaires. Certains d'entre vous, peut-être, vont se poser la question suivante. Est-ce que lorsque on dit 40 du chiffre d'affaires, est-ce que le montant qu'on va trouver, est-ce que ce montant contient les amortissements contient la dotation aux amortissements ou non bien sûr que non il s'agit de charges décaissables donc des charges hors hors amortissement ces charges sont décaissables entre parenthèses c'est une dépense ou l'amortissement ne constitue pas de dépense la durée du projet est de 40 ans de 4 de 4 ans il est amorti linéairement aussi sur 4 ans. Donc la durée du projet, vous regardez bien que la durée du projet est égale, dans notre exemple, à la durée, euh, la durée économique. La durée du projet et à la durée économique. Et la durée technique, 4 ans. Les deux durées, la durée de vie technique et la durée de vie économique, sont identiques. D'où une valeur, bien sûr, une valeur résiduelle à la fin du projet qui est égale à la VCN, elle est nulle et un taux d'actualisation de 10 On va voir à quoi sert ce taux d'actualisation. Donc, euh, on va passer au travail à faire. Expliquer brièvement l'objectif, le but d'un investissement de remplacement. À quoi sert, euh, dans quel but euh, on fait tel investissement? Calculer les cash flows annuels. Les cash flows, c'est-à-dire les euh, capacités de taux financement. Calculer la VAN, la valeur actualisée nette, et juger la rentabilité du projet. Et finalement, calculer le DRCI, le délai de récupération du capital investi. Et dites, bien sûr, si l'entreprise doit accepter le projet, si elle exige. Elle a, euh, notre entreprise elle a deux exigences. Les dirigeants exigent que la rentabilité, la VAN, on va l'utiliser, on va la calculer tout à l'heure, la VAN mesure la rentabilité. Donc, une vanne qui dépasse 200 000 dinars. Donc, la rentabilité, elle est exigée, elle doit dépasser 200 000 dinars et un délai de récupération du capital investi inférieur à deux ans. C'est-à-dire, l'entreprise exige qu'elle récupère le capital investi initialement avant deux ans. Donc, on va commencer par répondre à la première, à la première question. L'objectif d'un investissement de remplacement tout simplement, un investissement de remplacement a pour but de maintenir le même niveau de production, de conserver si vous voulez le potentiel technique de l'entreprise. Donc vous voyez que après quelque temps, les équipements seront obsolètes, les équipements seront usés. Donc Qu'est-ce qu'on va faire? On va les remplacer pour maintenir notre capacité, pour maintenir notre activité. Donc, l'investissement de remplacement a pour but de maintenir le même niveau. C'est-à-dire, on ne va pas acheter une machine qui va produire plus. Ce n'est pas ça. Hein, tout simplement, une machine qui va, nous, euh, qui va nous permettre de garder le même niveau de, de production. Donc, un équipement neuf ayant la même capacité de production que l'ancien devenu usé. Donc, on a répondu à la première question. Deuxième question, calculer les cash flows, les CAF annu annuels. voyez bien que dans ce projet, les CAF sont identiques puisque le chiffre d'affaires est, est le même tout au long de la durée du projet. Donc, chiffre d'affaires, moins charge d'exploitation décaissable, moins dotation, on trouve le, le résultat d'exploitation avant impôt. Donc, le chiffre d'affaires, c'est la quantité vendue. 5000 unités fois 62. Moins les charges d'exploitation décaissables. Dans l'énoncé, il nous dit que ces charges représentent 40%, 40 du chiffre d'affaires. Ce sont des charges d'exploitation décaissables. Rappelez-vous encore une fois que les charges décaissables ne contiennent pas de dotation. Ces charges sont décaissables. Donc pas de dotation, ne contiennent pas de dotation. Chiffre d'affaires moins charges décaissables moins la dotation aux amortissements qu'on a calculé. I0, le coût de l'investissement, 450 000 dinars sur la durée du projet, donc 112 500. Chiffre d'affaires, moins charges de moins dotation aux amortissements pour trouver le résultat avant impôt. Une fois on a déterminé le résultat, on va appliquer un taux de 25 pour calculer l'impôt. 25 fois le résultat avant impôt. Bien sûr, l'impôt sur, le, sur les bénéfices sera retranché. 103, c'est le résultat avant-impôt. 25 c'est le taux d'imposition. Et on aura un résultat net d'exploitation. Ce résultat net d'exploitation, on lui ajoute la dotation aux amortissements. La dotation, c'est une charge non décaissable. Et on trouve la capacité d'auto-financement. La question qui se pose, peut-on déterminer autrement la capacité d'autofinancement? Je vous ai montré tout à l'heure qu'on peut déterminer euh, la CAF de deux façons diffé différentes. On a utilisé la première méthode. Donc, continuant, la capacité d'autofinancement, c'est euh, la dotation aux amortissements plus les, les, le résultat net d'exploitation, c'est-à-dire euh, 77,625, euh, plus la dotation annuelle 112,500. Donc, euh, on va... Voir ensemble comment on peut calculer la CAF autrement, la capacité d'autofinancement autrement. voyez bien le chiffre d'affaires moins, tout à l'heure on a dit chiffre d'affaires moins les charges décaissables. Et les charges décaissables sont composées de deux éléments sont composées des charges d'exploitation décaissables et de l'impôt sur le bénéfice, oui, le 25 000. Donc les charges décaissables, c'est 124, 124. Et l'impôt sur, sur les bénéfices. Ces éléments, ces deux éléments, 124 000 et 25 875 constituent les charges des caissables. Rappelez-vous que la CAF, c'est les produits encaissables moins ces charges, moins les charges de, de caissables. Les charges de caissables, vous voyez bien, elles sont constituées par les charges d'exploitation des caissables et par l'impôt sur les bénéfices. Et on trouve Bien sûr, la CAF, comme euh, on l'a déjà déterminé avec la méthode, si vous voulez, la méthode classique euh, que vous voyez. Euh, je vous rappelle que euh, si vous faites la somme des charges décaissables, des charges d'exploitation décaissables et des dotations aux amortissements, vous allez trouver le coût de revient. Je rappelle encore une fois que le coût de revient, c'est une accumulation. C'est une accumulation de charges. Lorsque je dis coût de revient, accumulation de charges, peu importe la charge, décaissable ou non décaissable, vous devez faire la somme de toutes les charges. Charge d'exploitation décaissable et dotation, l'ensemble constitue le coût de revient. Donc, on a déterminé les CAF. Les CAF, vous voyez bien que ces CAF sont constantes, sont identiques tout au long de la durée du projet. Dans notre cas, la valeur résiduelle est égale à, est égale à zéro. Ce sont les revenus futurs procurés par notre projet. Ces quatre CAF annuels et la valeur résiduelle qui est nulle dans ce cas constituent ensemble 760 500. 760 000 dinars 760 500. Et le coût de l'investissement est de 450 000 dinars. Est-ce que le projet est rentable À première vue. Vous allez me dire que oui, c'est rentable. On a, euh, le projet coûte 450 000 dinars. Il nous a rapporté 760 500. C'est largement suffisant. Ici, euh, il faut faire euh, attention. 450 000 dinars, c'est une somme actuelle. C'est le coût de l'investissement qu'on va payer aujourd'hui. Par contre, les 760, euh, 760 500, ce sont des revenus futurs. Il n'est pas raisonnable de comparer des euh, sommes futures avec un montant euh, actuel. Qu qu on doit, que que doit-on faire On doit connaître. Les revenus futurs, ces revenus futurs, ces 760 000, combien actuellement, quelle est leur valeur aujourd'hui La valeur aujourd'hui, c'est-à-dire la valeur euh, le jour de, de la prise de décision d'investissement. Donc, on doit connaître la valeur actuelle, on doit connaître la valeur aujourd'hui. Donc, euh, tout à l'heure, on parlait d'actualisation. Actualisation, c'est-à-dire déterminer la valeur actu, actuelle. Donc, euh, le jeune homme se pose la question, voici la machine qui coûte 450 000 dinars aujourd'hui et de revenus dans 4 ans, 760 000. Que doit-il faire? Il doit certainement connaître la valeur actuelle des 760 000 dinars 500. Comment doit-il faire? Voici le schéma du processus d'investissement. Les CAF sont étalés dans le temps, CAF de la première année, CAF de la deuxième année. Le coût de l'investissement I0, c'est une somme initiale. Ce sont des revenus futurs. Donc, on va essayer, on va vous montrer comment comment ramener toutes ces sommes futures, comment calculer euh, la valeur actuelle de toutes ces sommes futures. Donc, ce sont des revenus futurs. On va les actualiser, c'est-à-dire on va les ramener tous à l'époque zéro, à l'époque ou le jour de l'investissement. Comment va-t-on alors? Euh, actualiser ses revenus futurs. Actualisation et détermination de la, de la vanne. Vous voyez bien que l'entreprise a dépensé initialement 450 000 dinars. Chaque année, ce projet va procurer 190 000 dinars 125, 190, chaque année. C'est une CAF constante. La dernière année, rappelez-vous que la dernière année, on va vendre l'équipement, mais dans notre cas, euh, la valeur résiduelle est supposée nulle. Dans l'énoncé, on suppose qu'elle est nulle. Donc, on va voir comment on peut actualiser ces revenus futurs, notamment les, les capacités d'autofinancement. On va les ramener du futur au, prix, au présent. Vous voyez bien que les revenus futurs, c'est la somme de toutes les CAF actualisées, plus la valeur, si elle existe, la valeur résiduelle actualisée. Actualiser. Donc, on va utiliser tout d'abord la table financière 2. La table financière 2 va nous permettre d'actualiser les CAF, de ramener les sommes futures du futur au présent. La CAF de la première année, 190 000 dinars, 125. On va multiplier cette CAF par un coefficient d'actualisation. On va utiliser la table financière 2. Vous voyez sur l'écran la table 2. 1 plus i, la première année, 1 plus i moins 1, 1 plus i moins 2, 1 plus i moins 3, 1 plus i moins 4, de l'époque 1 à l'instant 0, de l'époque 2 à l'instant 0, 1 plus i moins 3, 1 plus i moins 4. Une fois multiplié par chaque coefficient d'actualisation, on trouve les CAF annuels actualisés. Donc la table 2 va nous permettre de faire l'actualisation, va nous permettre de déterminer le montant actuel de chaque CAF à part. Regardez bien, je suis en train d'actualiser CAF par CAF, année par année. La CAF de la première année, fois 1 plus i moins 1. La CAF de la deuxième année, fois 1 plus i moins 2. La CAF de la troisième année, fois 1 plus i moins 3, et ainsi de suite. Et ensuite, on va, faire, on va faire, la somme. On va ajouter, hein, en utilisant notre calculatrice, et faire la somme de quoi De toutes les CAF actualisées. La somme des CAF actualisées, 602 000, 670 dinars, 773 millimes, c'est la somme des CAF non pas futures, c'est la somme des CAF actu, actuelles. J'ai utilisé, vous allez bien remarquer, vous avez bien remarqué que j'ai utilisé la table financière 2. Puisque les CAF sont constantes on peut simplifier une autre façon plus simple, si vous voulez, en utilisant une autre table, à savoir la table financière numéro 4. Vous faites attention, la table financière numéro 4, elle nous permet d'actualiser les CAF, mais à condition que ces CAF soient constantes. Donc, dans notre, dans notre cas, les CAF sont constantes. Donc, on va prendre la CAF 190-125 la CAF, elle est constante, et on va la multiplier par la table financière 4. La table 4, on l'utilise non seulement pour actualiser, vous faites attention, la table 4, elle nous permet d'actualiser et de faire la somme. En utilisant la table 4, on actualise et on fait la somme à la fois. Donc, la somme des CAF actualisées, 190 fois la table 4. Par contre, tout à l'heure, la table, revenons à la table 2. La table 2, elle permet d'actualiser Akahu. Donc, elle nous permet tout simplement de faire l'actualisation et on est obligé de faire nous-mêmes la, la, la somme. Par contre, la table 4, elle actualise et elle, fait la, et, la, et elle fait la, somme. Mais vous faites attention, bien sûr, la table 4 ne sera utilisée que lorsque les CAF sont constantes. Dans tous les cas, utilisant la table 2 ou la table, <coughs> la table 4. On va euh, déterminer, on va retrouver le même montant des CAF futurs actualis, actualisés. Donc, une fois les CAF actualisés, on a utilisé la table 2, je, 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 je récapitule, on a utilisé la table 2 pour actualiser les CAF, une par, par une. On a utilisé la table, on, ensuite on fait la somme, on a utilisé la table 4, kiff-kiff, pour actualiser où vous faites attention, je redis encore, que la table 4 ne sera utilisée que lorsque les CAF sont constantes. Et la table 4, elle actualise et elle fait la somme en même, en même temps. Donc, vous voyez, la table 4, le coefficient retiré de la table 4 pour n égale à 4, le projet s'étale sur 4 ans, 3,169, et on trouve la CAF, la somme des CAF actualis, actualisées. Donc, euh, si on compare les revenus futurs actualisés par rapport au coût de l'investissement, vous voyez bien que les revenus futurs sont, sont supérieurs, 602, 670 sont supérieurs au coût de l'investissement de 450 000 dinars. Il y a une large différence entre ce que le projet va nous rapporter et son coût in, initial. Donc, euh, regardez bien que... La somme des cas factualisés, on a utilisé la table 4, elle nous donne la somme. La valeur résiduelle, si elle existe, <coughs> si elle, existe elle aurait dû être multipliée par la table financière numéro 2. On a, dans notre cas, la valeur résiduelle est nulle. Vous voyez bien que le projet est, est, est suffisamment rentable puisqu'on a récupéré le coût de l'investissement et, et plus. Donc, la différence entre les revenus futurs et le coût de l'investissement s'appelle la valeur actualisée nette. Donc, la différence entre ces deux grandeurs, c'est la valeur actualisée nette, la VAN, VAN, valeur actualisée nette, c'est la somme des CAF actualisés plus la valeur nette, valeur résiduelle nette actualisée. Dans notre cas, la valeur actuelle nette, la valeur résiduelle pardon, est nulle. Donc, on va revoir encore cette formule. VAN égale CAF fois la table 4. Je vous ai dit que la table 4, elle est utilisée lorsque les CAF sont constantes, où la table 4 nous donne la somme des CAF actualisées, plus la valeur résiduelle multipliée par la table 2, moins IZ, I0. On va appliquer ces deux formules en utilisant les tables euh, financières. Table 4, vous consultez la table 4. La table 2, on consulte la table 2, I, le taux d'actualisation. La table 4 multipliée par la CAF nous donne la somme des CAF actualisés, et non pas la CAF actualisée, la somme des CAF actualisées. Donc, rappelez-vous que notre CAF est de 190 125 fois le contenu de la table 4, le contenu de la table 4, 3,169, plus la valeur résiduelle qui est nulle si elle était euh, égale à une valeur quelconque, on va la multiplier par le coefficient d'actualisation de la table 2, moins le coût de l'investissement. Ces deux variables, ces deux éléments constituent des revenus futurs qui s'élèvent à 602. D'ailleurs, on l'a déjà calculé, moins 450. Donc, la vanne, la valeur actuelle nette, la valeur actualisée nette est de 152,670,773. C'est-à-dire que les revenus futurs, la somme des revenus futurs, nous a permis de récupérer ce qu'on a investi initialement, nous a permis de récupérer les 450 000 dinars et on a un excédent, il y a un reste 152, c'est pourquoi on parle d'investissement rentable puisque la vente est supérieure à zéro, plus, puisque les revenus futurs dépassent largement le coût de l'investissement. À ce niveau-là, je veux vous rappeler que... La vanne constitue un critère de rentabilité. Qu'est-ce qu'on entend par critère Un projet est dit rentable lorsque sa vanne est supérieure à, à zéro. Donc, face à deux projets, on doit retenir le projet le plus rentable. Donc, c'est pour cette raison qu'on parle, qu'on dit que la vanne est un critère de sélection. Lorsqu'on va sélectionner deux projets, on va retenir le projet qui admet la vanne supérieure le projet qui admet la vanne supérieure, c'est-à-dire le projet le plus rentable. Donc la vanne constitue un critère de sélection, mais la vanne aussi constitue un critère de rejet. C'est-à-dire si l'entreprise, et c'est le cas dans notre exercice, si l'entreprise exige, exige une vanne minimale de 200 000 dinars, notre projet affiche une vanne de 152. Certes, il est rentable, mais il n'est pas suffisamment rentable. Puisque l'entreprise, vous allez voir tout à l'heure, elle a comme exigence une vanne euh, qui, qui doit dépasser les, 200 000, les 210 000 dinars. Donc, dans ce cas-là, la vanne constitue un critère de, non pas de sélection, mais un critère de rejet. Un projet est rejeté, soit parce que sa vanne est inférieure à zéro, il n'est pas rentable, et un projet peut être rejeté si sa vanne est inférieure à l'exigence de l'entreprise. Donc, on va passer à la page suivante. Donc, l'avant est positif, le projet est rentable. On s'intéresse pour l'instant euh, au délai de récupération. Ça y est, le projet est rentable, mais est-ce que le projet il offre à l'entreprise la sécurité demandée Donc, on va calculer le délai de récupération du capital investi. Comment va-t-on récupérer ce qu'on a investi le coût de l'investissement initial sera récupéré par accumulation accumulation de quoi de quoi accumulation de CAF. Est-ce que les CAF futurs rapportés par le projet vont récupérer le coût de l'investissement et à quel moment donc l'accumulation des CAF va nous permettre le DRCI C'est la durée au bout de laquelle l'entreprise récupère le coût de l'investissement initial. Par accumulation des cash flows, par accumulation des CAF. Donc, dans notre cas, les CAF sont constantes et la valeur résiduelle est nulle. Vous faites attention. Lorsque deux conditions sont réunies, CAF constante, euh, valeur résiduelle nulle, on peut utiliser cette formule. I0, le coût de l'investissement divisé par la, la CAF annuelle, constante bien sûr. 450 000, c'est le coût de l'investissement, divisé par 190 125, la CAF. On trouve 2,366. Donc, on va essayer ensemble d'exprimer 2,366 en années, en mois et en jours. Donc, c'est une partie, c'est la partie elle est décimale. Donc, regardez bien comment on va faire. 2, c'est deux ans. On va retrancher les deux ans à part. Et on va multiplier le reste 0,366 fois 12. La calculatrice affiche 4,402. 4 quoi 4 mois. On va retrancher les 4 mois et on va s'intéresser à la partie 0,402 fois 30 pour euh, voir combien cette, ce, ce chiffre représente de jours. 12,07 jours, soit 13 jours. Donc le, 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 le capital investi initialement. Les 450 000 dinars seront récupérés au bout de deux ans, quatre mois et treize jours. Donc, on a calculé la vanne, on a calculé le délai de récupération du capital investi. Deux ans, les quatre mois et les treize jours. La décision que doit prendre Tawa l'entreprise. L'exigence de l'entreprise. L'entreprise exige une vanne qui dépasse. Elle doit être supérieure à 200. Rappelez-vous que notre vanne est inférieure à 200, 152. L'entreprise exige un DRCI, un délai de récupération du capital investi inférieur à 2 ans, alors que l'entreprise, le DRCI est bien supérieur à 2 à à ans. Donc, la vanne est positive, certes, 152, mais inférieure à 200. Côté rentabilité. Pour les dirigeants de cette entreprise, le projet, certes, il est rentable, mais il n'est pas suffisamment rentable. Il n'a pas rapporté les 200 000 dinars, il doit dépasser les 200 000 dinars. Pour, sur le plan de sécurité, sur le plan de rentabilité, le projet est donc rentable, mais pas suffisamment rentable. Sur le plan de sécurité, le DRCI de retrouver deux ans, quatre mois et 13 jours, alors que l'entreprise exige une récupération euh, inférieure à 2 deux, à deux ans. Donc le projet interne ne sera pas retenu, non pas parce qu'il n'est pas rentable, il est rentable, mais il n'est pas suffisamment rentable. Il ne répond pas aux exigences de l'entreprise. Donc au cours de cette première application, on a traité euh, un équipement, euh, un investissement qui génère des CAF constantes. Et c'était un investissement de euh, remplacement. Ainsi, on arrive au terme de cette séance. J'espère que ce cours vous a été utile. Donc, euh, la prochaine fois, on va traiter les autres types d'investissements, à savoir l'investissement de productivité et l'investissement d'expansion. Donc, euh, à bientôt et à la prochaine séance.